Dans cette deuxième capsule vidéo concernant Traspart, nous allons voir comment récupérer les composants. Donc je considère que vous avez regardé la première partie et vous savez vous connecter. Donc là je suis connecté. Je vais regarder les composants dont j'ai besoin pour mon thème. Donc je vais avoir besoin de goupilles fondues, de rondelles, d'une goupille cylindrique et de goupilles de vis séchée. Donc je vais commencer par prendre la goupille fondue ISO 1234 1616. Donc comment procéder? Je vais chercher donc dans la barre d'outils, barre de recherche, je vais taper la référence ISO 1234 1.6 x 16. Je fais ma recherche. Alors, est-ce qu'il va me trouver ma goupille? Voilà, donc je peux prendre la première qui apparaît, mais normalement, en faisant une recherche, voilà, un 6, et on a dit x 16. Voilà, on la retrouve ici. Je prends la goupille. Ensuite, donc ici, il faut choisir votre modèle CAO. Donc là, on va choisir dans la liste. On est sur Onshape, par exemple. On va chercher le Onshape, mais on va voir que Onshape n'est pas dans la liste. C'est pas grave. On va prendre le modèle Parasolid et on va télécharger. Donc le téléchargement est en préparation, je clique, je retrouve mon téléchargement en bas d'écran. Donc si j'affiche dans le dossier, je vais retrouver donc mon téléchargement sous forme zippée. Je reproduis la même chose pour les autres composants. Donc là je vais prendre la rondelle M10 20, je vais mettre 20 par 2. Donc là je vais dans ma barre de recherche, rondelle M10 20 par 2. Alors, il ne va pas me la prendre, c'est pas très grave. Je vais prendre rondelle M10 et on va le retrouver. Alors, je peux essayer le 20, voir si ça passe. Non, ça passe pas. Donc, il faudrait mettre le symbole diamètre. On va la retrouver. M10 20 par 2, on la retrouve ici. Je clique dessus, même chose, j'ai mon modèle parasolide qui est prédéfini, je suis bien sur une rondelle en trottoise, ici, 20 par 2, alors ça c'est du PA66, bon c'est pas très grave pour ce qu'on veut faire, on va choisir ce qui nous apporte, c'est les dimensions, on va télécharger, donc il faudrait veiller effectivement au choix de la matière. On télécharge. La même chose pour la goupille cylindrique, 6 par 30. Goupille cylindrique, 6 par 30. Donc goupille cylindrique 6 par 30, on en a une ici par exemple, forme A, je clique dessus, même chose, je la télécharge, et je termine par les deux vis 4-12 et 5-12. Donc vis CHC M4-12. Alors attention, là c'est bien, on va prendre la DIN, c'est pas grave, DIN 912. C'est la même norme que la ISO. Et on va prendre la 5
12. On la télécharge. Et on termine par la 5-12. Donc DIN 912. On la télécharge. Le téléchargement étant terminé, on va retrouver tous nos composants. Si j'ouvre mon dossier, je vais retrouver tous mes documents zippés à ce niveau-là. Donc nous allons voir dans la prochaine vidéo comment placer ces documents Parasolid dans notre dossier OnShape pour pouvoir ensuite les insérer.